Catherine, c'est la femme divine au domaine Cosme Maisonneuve. Voilà, elle contribue largement à ce dont tu parles, à la finesse d'expression, à la sensibilité. Et voilà. Et donc, il y a un coffre-fort, c'est moi. Il y a Catherine qui a la clé. Qui a la clé. Parle-moi un peu des CQV de Cahors, Combal, Lafage, Laquais. En fait, le Combal, c'est un vin de Cahors qui est beaucoup plus souple que les Cahors d'antan. C'est-à-dire que les tanins sont bien enrobés, charnus, tendres. C'est délicieux, c'est un vin qui a un poids et qui rebondit. C'est pas un vin qui s'écrase. Et qui a un potentiel de garde quand même de quelques petites années, mais qui se boit déjà agréablement bien. C'est assez juste dans le sens où effectivement on est sur un tanin mûr, donc la souplesse en fait, on s'attache à ramasser les raisins mûrs, et ça c'est indispensable. Ben bon. Et après, par rapport au combat, il y a certainement plus de profondeur. On sent un peu la sève du terroir là, qui jaillit tout doucement. C'est drôle parce que, bien que le prix soit pas le même, on voit une similitude, mais en plus, deux plus, après le plus. C'est un vin qui ne reste pas nécessairement en bouche, ne prend pas sa place sur les dents, c'est pas un vin qui râpe, c'est pas un vin qui est boisé, c'est pas un vin concentré dans ce sens-là. Sa concentration est dans son essence même, dans son fondement. C'est un vin, en fait, avec une ligne assez droite, assez pure. Ça donne que c'est des vins qui vieillissent très lentement, qui ont un gros potentiel de garde. Et aujourd'hui, avec le recul qu'on a, par exemple, si on prend le premier millésime, 99, et quand on le goûte, on est sur un vin qui est encore très jeune, voilà, qui est toujours sur la construction et qui reste, si c'est la même chose, apparaissent quelques notes d'évolution, mais on est juste au départ du bouquet de vieillissement. Moi, en fait, je parle à travers ma perruque, chapeau, j'y suis jamais allé, donc ça manque à ma culture. Jean-Philippe, à quand le prochain voyage à Cannes? Est-ce que Mathieu se prendrait peut-être comme stagiaire? Non, je vais pas travailler là, je vais juste y aller. Ben, il sait rien, moi. Je n'ai pas de niveau de compétence, puis il sait rien de moi. On pourrait peut-être justement en profiter pour. Ah, ça va pas être la fin. C'est ça.